Je sais plus. Ah, il y en a deux. Non, il y en a à mon... Oui, il y a peut-être bien deux. Deux sur les trois. Après, il y a juste un gros reflet. Il y a peut-être deux sur les trois où on voit bien la tache sombre. Voilà, là on la voit bien, la tache sombre. Ouais. Oh, la belle tache. Oh, la belle tache sombre. Du coup, tiens, je te laisse reprendre. Du coup. Là, on voit pas bien où tu rentres. Mais... Évidemment, ici, on va pas le voir. Tu vas voir qu'avec celui-là, il va pas le faire. On peut faire un cœur. On peut combiner les deux. Hein. Oh, si après ton écran il fonctionne moins bien, tu sais pourquoi? Il y a une tache en fait hyper visible juste à côté. Là. Là? À cause d'un reflet? Ouais. Bah, déplace-toi juste d'un pas peut-être. Ouais. Après c'est pas dramatique. Non, non. La quoi? Voilà. Du coup. Non, je pense que c'est un compteur qu'on peut aller une fois. Tu me dis si je suis trop dans le chemin, mais faut pas bien montrer. Enfin, j'essaye de. Voilà. Du coup, ça. On va le laisser sur le côté. Et là, ce qui est chouette à montrer, c'est que la dalle. Elle ne tient pas, il n'y a pas de vis. Mais il faut voir de quel côté se trouve le connecteur. C'est vraiment la loi de Murphy. Et quand tu veux montrer quelque chose, que ça ne marche jamais comme il faut. Voilà, ici, c'est ça. Après, si tu fais des cuts au bon endroit, on a bien compris ce qu'il faut faire, quoi. Il y a un endroit où il y a un scotch, je crois. Ouais, c'est ça. Ici, il y a un scotch qui tient. Voilà, donc c'est celui-là. Tu le vois. Il ne faut pas avoir peur de tirer un peu, il est scotché. Il est scotché au châssis intérieur. À la limite, quand tu l'auras ouvert, je remontre là où c'est décollé, quoi. Tu vois, qu'ils sachent que. En fait, il y en a même encore un ici en bas. Regarde à l'intérieur. Ici en bas. Ouais. Et donc là. Voilà. Et du coup, le premier truc qu'on fait. C'est de débrancher. Ici. Je sais pas le voir. Là, j'arrive pas à le filmer. Hein. Si, si. Ouais. Ce papier qui est dans mon choix. Ouais, là, à une main, j'arriverai pas à t'aider. Oh, ça va, c'est pas grave. Voilà.
Voilà. Ok. Hein, avec le fil rouge qui est en dessous. Attends, parce qu'il est flou. Okay, ouais. Le fil rouge qui est en dessous, important pour le connecteur. Et du coup, il y a un détrompeur dedans. Quoi. Non. Ah oui. Mais c'est pour après que c'est important. Alors maintenant, comment ça se fait? Ah oui, ici, il y a le fil, ce fil-là qui tient aussi avec un scotch noir. Sur le côté. Voilà. Ah, c'est bon, c'est pas grave, c'est un détail. Donc. Ouais, ça c'est la maximum. Ici. Le maximum de 300 cm. Ah ouais, mais ça c'est la densité. C'est que c'est pas la taille totale de l'image. Tu dois peut-être faire une image de 1600 par je sais plus combien pour qu'il n'y ait pas de dessin. Et c'est peut-être ça qui fait bien. Oui, mais... J'espère que tu as un stabilisateur parce que... Non. Ouais, faut faire en... Peut-être. Là. Parce que si tu mets du morceau que tu prends, si c'est pas exactement le même nombre de pixels, peut-être bien. Pour faire sauter le cadre en métal. J'essaie de refaire une taille en pixels. Mais on cache les morceaux de plastique cassés. Le cadre est enlevé, on peut faire tomber la dalle. En fait, la densité va jouer avec ici, la taille. Ici. Et tu peux mettre un petit peu de centimètres. Ah, et si tu mets 300 pp, faire sauter le frame. Bon, je le fais de ce côté-ci aussi, t'as pas besoin de le filmer là. Juste en... Ça, il n'y avait pas ça sur les autres. Cette. Comme tu as dit, c'est la loi de Martin en fait. Ici, ici il y a ces deux autocollants-là qui retiennent le frame. Et ça, ils étaient surtout. Ils étaient surtout les. C'est comme si c'était des. Les contrôles garantis, tu vois. Ouais, effectivement. C'est un tissu en fait, ou un truc. On dirait bien. Donc ça, une fois que tu enlèves le cadre complètement, autant que tu peux. J'essaie de faire une vue globale. Ouais. Il y a des endroits qui sont plus difficiles à avoir que d'autres. C'est qu'à force en fait j'attrape des crampes, et au plus j'ai des crampes, au plus tu as le GSM qui vibre un peu. Toi. Donc ça aussi, on a à sauvegarder. Et donc en fait le truc c'est
de voir que le LED il est là. Attends. Ouais, j'ai eu un flou, mais okay. C'est pas grave. Et donc que ici, si on est comme ça, il y a ce connecteur là avec la première patte en plus et les trois autres en moins. Ou si on est vraiment aventurier, les petits points là. Je suis flou. Les points on les verra pas. Il faudra zoomer à max. Ouais, mais c'est pas grave. Donc là, il y a une possibilité. Il y a un plus et trois moins en points de soudure qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Donc là, on va montrer. Oui. C'est histoire de voir quelles sont les parties du LED qui sont pétées. Voilà. Donc il y a bien, comme tu avais dit, les deux. Il n'y en a que un qui est allumé et pas les deux. Ici j'avais une diode. Elle est là. Et mon flux de soudure. Ah, montre peut-être la ce que tu as pris en main. Parce que... Non, mais ça c'est juste pour avoir un morceau. Un morceau sur les trois pattes. Ah, ce sera à couper. C'est pour avoir un morceau soudable. Okay, d'accord. Qui fait le lien. Et ça c'est du flux de soudure pour que la soudure tienne mieux. Tu veux mettre des commandes? Je mettrai des commandes. Hein. Hop. Là, il y a du flux. Ici. On va couper un morceau pour rejoindre les trois pattes moins. Comme ça. Il me manque les trois pattes moins sont soudées ensemble. C'est tout ce qui est important. Je suis vraiment à une place optimale pour. Oui, mais pas de souci. Donc ici. On va voir si ça prend bien. Ça fait un peu pavé, mais normalement, ça doit le faire. Je te vois que d'où je suis, je vois pas grand chose. Et là, ouais, tu peux. Ouais, si je vois le pâté. Mais... Tu peux essayer un peu d'approcher pour voir. Oui, il faut pas. Et en fait, c'est quoi ça? Deux fois trois. C'est la vitesse de lecture après. Enfin, il va. Non. Ah non. Regardez un peu. Là, je peux pas bouger par contre. À mon avis, là, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, je sais pas comment le truc il détecte parce que. Je sais pas. Ça a l'air pas trop mal. Ouais, maintenant, on va peut-être faire ça sur ton bureau. Que j'ai pas de temps. On va réussir à chiffonner. Je vois rien. Ouais, bref. C'est pas grave. Ou alors on va essayer de rebrancher le pont. Ok, je me remets en 1. Ouais. Donc autant prendre celui de la bonne série. Voilà, ça va vachement mieux. Et du coup. Donc, parce là. Que du coup, t'as ciblé sur.
c'est uniquement pour avoir le contrôle sur l'écran. Ici, on branche cet allume et on fait le test. Tadam. Et c'est pas beau ça. Du coup, hop. Et c'est plus facile de l'attacher. Même si ça n'impacte pas vu que c'est à l'arrière. Ouais. Ouais, c'est bon. Toujours bien de montrer que tu le nettoies avant de le remonter, quoi. Ouais. Change des rouleaux. Hein? Donc ici, au cadre... Je croyais qu'ils avaient sorti du scotch. Non. Il y a la partie du bas. Attends, pardon. Il y a la partie du bas, ici. Qui se met ici. Hop. Ça se remet comme ça. On reclipse le cadre. Ça, du coup, hop, voilà. Cadre, ça se clipse tout simplement. Il est bon. On va refaire la dalle comme ça, tout simplement. On reclipse aussi. Tout simplement. Ici, on ne s'éclipse pas. Ok, on ne s'éclipse pas. Ouais. Et toi, le bout, tu l'avais mis dans quel sens? Je l'ai mis comme ça. Comme ça. Mmh. C'est bien quand même. C'est pas ce que tu fais. Voilà. Donc ici, c'est surtout ça. Tu peux faire un fois deux, si tu veux. Il est un peu flou, je crois, deux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais... ouais. Voilà. Et après, ça va mettre. Je ne saurais pas le filmer sans avoir ton visage avec. Voilà. De ce côté-là, il fallait le mettre. On peut aller le tester. Et j'ai changé un paramètre, donc il faut voir si ça va bien. Et on veille. Mais non, ça va.
On va voir. Il n'y a plus de tâches sombres. C'est pas très bien que je change la meilleure paille. Après, si tu veux aller à Tourloguer, par exemple. Hein? Ça leur tourne, quoi. Goutte. Elle est bien nickel sur tous les bords.